Et c'est tout le monde ici, AeronPixel, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Minecraft en mode solo. On va faire un petit bout de survie comme ça. Et j'ai des petits projets pour la maison que je suis en train de faire. J'ai des petits projets et je vais vous faire découvrir tout ça. Alors la map, je l'ai déjà commencé hors caméra avec mon cousin hier soir, et on avait déjà projeté de faire pas mal de choses. Donc ici il manque une bibliothèque, hein. Voilà, c'est une bibliothèque que j'ai volée dans les maisons des villageois. Voilà, d'ailleurs je me demande si j'ai pas d'autres livres. Non, donc mon petit skin, et je trouve que le pantalon rouge comme ça il va très bien, le pantalon rouge en cuir il va très bien avec la cape rouge que j'ai derrière. Ouais, c'est stylé. Bon, le soleil va se coucher et là, je dois ramasser du bois de bouleau. Donc, pour information, pour ceux qui jouent à Minecraft sur tablette, maintenant il y a une nouvelle mise à jour qui vient d'arriver et vous avez de la redstone. Par contre, vous n'avez pas les pistons collants et les pistons normaux. Ça, faudra peut-être attendre, et vous n'avez pas encore les icônes. Voilà, ça c'était juste pour ma petite info. Donc, on avait projeté de faire une tour là-haut. Genre, là-haut, là, faire une tour de forteresse. Ah, c'est plaisir de voir. J'ai un peu de laine. J'ai vu ça. Bon, on va dormir. Ah mince. Voilà. Les zombies et tout ça, ils sont en train de mourir. J'entends un squelette là. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a... Oui, il y a des os. Il a fait des os. Couper des os. Est-ce que l'autre a plutôt une carotte? Ça pourrait être bien pour les cochons. Qui maintenant rapportent pas mal en nourriture. Il n'y a pas de carotte. Bon, je vais voir juste comme ça. Donc voilà le village que j'avais volé. Enfin, que j'avais pigné un petit peu. Il est tout là-bas. Et il était tout petit. Il est tout petit. Vraiment. Donc. Donc on va essayer d'aménager un petit peu cette petite maison. Ici, quand je serai un petit peu plus stuffé, ici je mettrai des pistons collants derrière ça là. Comme ça, ça pourra faire une porte que les zombies ne pourront pas péter. Et les monstres ne me verront pas à travers ces portes. Donc les creepers qui peuvent par exemple, genre j'entre, j'arrive et là je suis enfin par exemple là je suis AFK, il y a un creeper qui vient derrière moi, il explose quand il est à la porte et là voilà, je suis foutu. Enfin bref, hein, ça pourrait arriver parce que des fois je me concentre sur autre chose, du coup je m'arrête juste devant la porte. Enfin bref, donc là j'ai un petit projet sympa. Donc déjà faudra faire le toit. Ok. Alors. Donc déjà il me faudra une pioche en fer. Mais j'ai pas trop envie de prendre tout le fer pour moi parce qu'il y a aussi mon cousin qui a participé un peu à la map. Donc faudra en prendre. Enfin du coup faudra prendre du fer encore. Voilà le petit toit, donc hop hop, oui il dégage. Voilà, je
sais pas si ça va être assez. Si, c'est bon. Voilà. Mon petit chez moi. Et je vais pas me plaindre parce qu'il est plutôt beau. Ça, on va le péter. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, la stone brick, c'est... Enfin, la stone brick, non. Les blocs de stone. Non, attends. Comment ça s'appelle ? Les pierres taillées, donc la cobblestone, est plus un peu plus solide que ça. Donc, vous voyez, là, je peux le péter plutôt rapidement. Donc, hop. On va tester. Ok. J'ai mis un petit peu plus de temps. Voilà, c'est pas grand chose, mais pour ceux qui ne le savent pas, ça pourrait peut-être vous être utile. On va chercher encore du bois. Et après, on va s'occuper de prendre du fer. Donc attendez. Donc c'était peut-être un peu long pour vous, mais je sais pas comment faire les coupures, hein, pas encore, mais c'est pas grave. Donc j'en étais déjà où il fallait prendre un peu de bois, et par la suite je vais prendre du fer avec les mines qui est juste à côté. Donc je pense que j'ai bien fait de m'installer là parce qu'il y a des mines, le terrain est plutôt plat, donc je pourrais peut-être mettre des maisons. Et une montagne juste à côté, donc de quoi, et donc il y a de quoi miner dedans, il y a de quoi faire une maison dedans aussi. Donc ça c'était la petite mine qu'on avait trouvée. Rien d'important. Voilà. Je prends ma pioche. Il y a pas de monstre. Ok. Il y a du fer, hein, il y a du fer. Par contre, ma pioche, elle est presque terminée là. Plus rien ici. Oh, ok. Essayer de remonter. Ouais, donc en fait on est déjà allé ici. En fait c'était la mine que j'avais vue. En fait elle se rattache toute parce que j'ai pas encore visité le bas. Ah non, ça c'est rien en fait. Juste moi qui l'avais creusé, je crois. Ouais, bon. Y a pas beaucoup de monstres, hein, y a pas beaucoup de monstres. Franchement, je devrais augmenter le mode de jeu. Non, pas en créatif. En mode normal. Parce que là, c'est un peu chiant. Ça servait à rien d'ouvrir. Bon.
Ah oui, j'avais pris du bois. Je me disais aussi. Donc, on va faire une pièce vers ici là. Oui, il y avait du charbon ici. Ah, il me faut encore un peu de charbon. Ok, voilà. Ça, ça devrait suffire. Donc vraiment, je pense que ça va être une vidéo qui va peut-être durer longtemps, je sais pas. J'aimerais bien, mais bon, on va que la co soit géniale. Ok. Voilà. Donc tous les surplus, tout le surplus, ça, c'est légal. Tout ce qu'il y a de trop, ça dégage. La nourriture, les eaux, ok, d'accord, ça dégage. Et la tour que j'avais dit qu'on va construire, faudra faire des escaliers en fait pour y accéder. Alors, on mine beaucoup plus rapidement, et ça, je trouve ça bien. Enfin, tout le monde trouve ça bien, je pense. Il faudrait aussi faire des accès par l'intérieur d'ici jusqu'aux mines en fait, qu'on avait trouvé. Ok, je prends ça. Il n'y a pas d'autres bois de sapin? Non. Je vais en chercher. Aïe. Il y a une mine là aussi. Je pourrais relier ma maison à cette mine. Le cochon. Voilà. Donc vraiment, j'ai pas mal de biomes. J'ai pas mal de biomes, enfin comment dire. C'est que là-bas, donc ici il y a un biome, ici c'est un autre biome, mais qui ressemble beaucoup à celui-là. Donc là-bas c'est un autre biome, et là encore un autre biome. Et si je me trompe pas, tout là où il y a les villageois, c'est du sable, parce que c'est une plage. Mais on peut considérer ça comme un autre biome. Puisqu'il y avait pas mal. Vraiment pas mal de sable. Donc c'est assez étendu quoi. On a un peu de charbon, ça fait plaisir. Hop. En plus ça rapporte des XP, je suis déjà niveau 5. Voilà, hop, hop. Et hop. Donc mon cousin, lui, il aura juste assez de fer, je pense, pour... il aura pas mal de fer, en fait, il en aura 8. Il pourra se faire un plastron, carrément. Et moi, j'aurai les outils. Donc on va essayer d'aménager... les pièces un petit peu hein. D'aménager de
vraiment de faire un plutôt bon aménagement, je vais essayer. J'agrandis encore. Voilà. Donc là, ce sera la chambre. Et la chambre, et je ferai peut-être une chambre pour les invités. Ouais, j'en ferai une. Comme mon cousin, par exemple. La chambre des invités. Ouais. Ah ouais, le bois là il se gaspille vite. J'envoie la bibliothèque aussi. J'ai pas des pousses de bouleau, si j'ai une pousse de bouleau, mais une seule. Qu'est-ce que ça pourra m'apporter une seule pousse de bouleau? Pas grand chose, mais bon. Attends. Je vais le placer dans ce biome là. Et je me casse. Dégage. Bon. Ouais. Voilà. Donc mon cousin aura quoi faire avec 8 lingots de fer. Enfin, 8 lingots, ouais, c'est déjà bien pour un début. Hein. Parce qu'on n'est pas là, on l'avait commencé et on y était 10-20 minutes. Ouais, pas 30 minutes, non. On y était 10-20 minutes. Donc faut vraiment... Ah, la petite canne. Non, ce n'est pas de la drogue. La canne à sucre. Enfin, pour les fans, si vous voulez appeler ça du cannabis, hein. Moi je m'en fiche. J'ai une pousse de bouleau. Oh. Une petite mine. Sympa. Avec du fer. Bon. Il n'y a pas de zone ici. Thank you.
Oh là là, mais c'est quoi ça? Chier. Oui, je suis un peu rageux des fois. Et alors? Un petit cheval, si je pouvais dresser. Ah, j'ai de l'os. Non, j'en ai pas sur moi. Bon, c'est pas grave. Non, ici il va pas pousser, il va pas pouvoir pousser mon petit arbre. Ici. Voilà. Ici, ils vont pouvoir pousser normalement. Je l'espère. Très bien. Oui, c'est vrai, je devais faire un peu de bois. Bon, enfin là, j'en ai beaucoup. Voilà. Le plafond. On va pas faire de truc original avec le plafond. Bah, elle est pas tout à fait symétrique. Ah! Non. Le moindre petit truc de bois économisé, c'est bien. Le moindre petit truc. Là, ok, j'ai ma petite pièce. J'aurai ma pièce comme ça. C'est pas bien. Sauvegarde automatique. Ça rajoute pas grand-chose au à l'entrée de ma chambre, mais bon, un petit peu de déco hein, quand on a pas mal de stuff. Enfin, moi je sais pas que j'en ai pas mal, mais ça va, je me débrouille quoi, je me débrouille. Enfin, j'ai pas mal de fer en tout cas. Ouais, j'en ai 12. Bien évidemment que j'en ai pas mal. La carte, qu'est-ce qu'elle va m'indiquer elle? Ah, du coup, je suis complètement. On peut pas me repérer avec une carte vu que je suis sous une montagne. Ouais. Donc c'est laisse tomber pour essayer de me repérer avec la carte. Je sais que je joue pas en ligne, mais. Je sais pas, on sait jamais hein. Un jour peut-être que j'aurai du ligne et voilà quoi. Peut-être qu'en fait je devrais essayer de faire un coffre caché juste là. Mais en même temps piégé. Un coffre piégé et caché. Tu vois, parce que comme ça si on le découvre, bah, j'aurai quand même une deuxième sécurité quoi. En mettant un bloc musical,
en mettant un bloc musical juste derrière, quoi. Comme ça, on entend un son. Par contre, on n'entendra pas de loin. Mais bon, ça sera quand j'aurai du stuff, hein, parce que franchement, un bloc musical, qu'est-ce que c'est compliqué à faire. Alors, jukebox. Ah non, les blocs musicaux, apparemment, ça se fait pas. Bon, ça se crafte pas. D'accord. Non, ça c'est plus dans la redstone, je crois. Crochet, levier, machin. Une plaque de métal, ça me servira à rien. Ah si, c'est ça. Bon, un bloc musical, ça demande beaucoup moins de ressources que ça. Enfin, beaucoup moins. Enfin, il faut quand même un diamant pour faire ça, quand même. C'est pas donné. Et les disques, ça, ça se crafte pas, par contre. Ouais. Ah, on peut faire les vitres. J'avais oublié qu'on pouvait faire les vitres. Ouais. Ah bah vu que j'ai du colorant rouge. Pour essayer, juste pour le fun, par contre j'ai pas de sable. Bon. Enfin bref. Non. Là. Voilà. Voilà mon petit four privé dans ma chambre. Non, pire, je vais le mettre juste à côté. Là, là. Voilà. Comme ça me fait encore une table de craft. Voilà, j'essaie de décorer un maximum. Pour que ça fasse un. Pour que ça fasse beau. Pour que ça fasse joli. Aïe. Voilà. Pourquoi je prends des feuilles? Alors vous allez peut-être me dire pourquoi je prends des feuilles, bah, c'est tout simplement parce que je vais essayer de faire des petits trucs ici sur les côtés, enfin comment dire. Enfin vous verrez. Hein. Je vais faut faire des barrières. Non, des barrières c'est là. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ah, les volets. Pourtant, il est 18h. Pourquoi il ferme les volets? Bon, je sais pas. Voilà, comme ça, j'ai vraiment une petite baraque bien sympa. Un petit peu chaleureuse. Ah ouais, franchement, ça rajoute un effet... Ah ouais, c'est pas... pas un truc classique quoi. Voilà, c'est là que je viens. Il me faut du bois et pour une fois c'est le bois de chêne qui me manque. Oh, les monstres, est-ce qu'il est là? Oui, je vous avais pas présenté, il y a une pièce souterraine. Voilà, donc un jour je prévoirai de mettre des échelles là, comme ça tu pourras tomber tranquillement d'en haut. Enfin, tranquillement. Je sais pas si ça va, si on va se péter la gueule avec ça, mais. Et ça vaut le coup d'essayer.
l'échelle. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et ça me permet de descendre très vite. Sauf si on se rate. Voilà. Donc on a notre petit ascenseur. Je vais essayer de rajouter un peu de sécurité. Hein. Ça va suffire. Voilà. Voilà. Comme ça, on descend beaucoup plus rapidement. On peut aussi faire ça, mais... Voilà. Je trouve que comme ça, c'est beaucoup mieux. Bon, je vais arrêter, hein. Je sais que j'adore ça, mais... Et je pense que vous le voyez, mais bon. Hop. Donc. Une petite torche. Voilà. Pour le plaisir. Et je vais essayer de faire une autre barrière. Allez, attends. Ah mais il faut des blocs en fait. Ouais. Ça c'est chiant. Bon, pas grave. T'es où? Il est juste au-dessus peut-être. Ah ouais, mais ça va être chiant, ils sont chiants. Putain les monstres. Attends, mais il est où s'il est pas là? Il est où? Enfin, depuis tout à l'heure on entend un bruit de monstre, mais on n'a pas. Ça doit être dans la mine à côté. Ah ouais, ça va être ultra chiant. La mine d'à côté là. Enfin, je vais tous les défoncer. Vous avez vu là? C'était quoi ça? Un truc m'a lancé une potion dans la gueule. Sorcière. Oh, elle m'a apporté des petits trucs sympas. Par contre, je suis très lent. Lenteur 1. Ouais. Lenteur 2, ça aurait été l'horreur. Mais... Alors, on va pas dormir. Hein. On va pas dormir. Dégage. Chier. Oh, creeper par contre. Non, bah, ça c'est passé là. Voilà. M'a fait flipper quand même sur le coup, hein, le creeper. Le creeper, ça fait toujours flipper. C'est pas un screamer, non, c'est juste que t'as juste peur qu'il t'explose dans la gueule, parce que c'est des véritables kamikazes. Et ça doit être les monstres les plus redoutés de Minecraft. Ça doit être les monstres les plus redoutés de Minecraft. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai répété deux fois. Ah ouais, donc on peut se faire mal, on peut se péter les yeux si on arrive sur le bord de l'échelle. Ok, j'adore faire ça. Par contre, pour monter, ça va être chiant. Ouais. Bon.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Déjà, je vais boucher ça là. Voilà. Donc là, on peut quand même descendre. Ok. Oui, c'est vrai, je devais faire une. Je devais couper du bois. Et pas n'importe quelle couleur, parce que maintenant les barrières sont de différentes couleurs en fonction du bois que vous utilisez. Donc je vais prendre le bois de chêne, voilà. Je vais prendre le bois de chêne. La petite maison. Hop! Juste des petites décos comme ça. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous aimez la maison. Moi personnellement je l'aime bien comme elle est, mais c'est mon. Oh là 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 là. Je viens. Attends. Ça fait. Ça doit faire une heure que je suis sur cette partie en tout. Avec le truc que j'ai fait hier. Et j'ai ça. En tuant la sorcière, et eh ben vous pouvez avoir des trucs pas mal. Par contre, la potion elle dure combien de temps? Il n'y a pas indiqué dessus. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est chiant. Bon, pas grave. Qu'est-ce que je vais crafter moi? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais crafter? Je sais pas. Voilà, comme ça j'ai une belle petite maison. Voilà, qui est décorée hein, un petit peu comme ça. Par-ci, par-là. Faudrait peut-être que j'aménage la pièce qui est en bas. Ah, j'ai des fourmis dans la jambe. Est-ce que ça va servir? Non, ça va pas servir avec mon système génial. Voilà, il y a du taf. Moi personnellement, je suis pour que ça soit. La chambre d'amis. Mince. Voilà. Presque épuisé ma pioche. Ma petite pioche, parce que là il y a encore du taf. Pourquoi je chante, je sais pas. Donc on pourra descendre ici tranquillement grâce à mon petit truc comme ça. Voilà. Ouais, donc on pourra descendre tranquillement. Et je vous avoue que j'adore faire ça. Donc on fera un petit étage ici là. C'était du charbon que j'avais trouvé, je crois. C'est pour ça que j'ai creusé un petit peu. Donc vraiment j'ai un truc pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Elle m'a donné un peu de poudre de glowstone. Voilà, comme ça les péter.
m'en suis débarrassé. Non, pourquoi j'ai pas pris mon petit passage. De toute façon, on s'en fout. Ah, la chambre d'amis, non, ça va plutôt être une maison en dessous, quoi. Ouais. Ici, il pourra mettre ses coffres. Donc lui, ce sera la personne qui s'occupera de tout ce qui est stockage et tout. Donc ça, on va l'enlever parce que ça ralentit juste. On va voir. Ouais, ça ralentit juste. Ça ralentissait juste, donc. Et cet angle de vue, il est trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement. Non. Tout ce bois qui va vite partir en fumée. Hein. Ok, voilà. Je pense qu'on va bientôt arrêter. Hein. Quand j'aurai fait les murs. Ou si je tombe à court de bois pour faire les murs. Ouais. C'est pas trop. Voilà, je pète le toit. Bon. On va s'arrêter là, je pense. Parce que là, ça doit faire longtemps que je filme. Alors, je vais regarder. L'application que j'ai de GameMate. Ouais, bon, il l'indique pas. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, quand même. Malgré le fait que ça a pris du temps quand même pour faire tout ça, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker ma chaîne et à partager cette vidéo. Bye.